peux nous dire ce que la séance vidéo t'apporte en tant que basketteur et en vue de la préparation de ton match de ce soir? Bah, franchement, c'est quelque chose de très important. À n'importe quel niveau, je pense, n'importe quel coach ou équipe devrait se contenter d'utiliser la vidéo. Ça permet d'être prêt par rapport à l'adversaire, ouais, concernant tout ce qui est leur jeu offensif, collectif, ouais, défensif, collectif, et aussi les individualités, ouais, leurs points forts, leurs points faibles. Quand t'arrives, t'as pas de surprise, quoi. Ouais. Et du coup, ça veut dire que ça t'apporte vraiment. Enfin, c'est pas quelque chose dont tu pourrais te passer le samedi matin avant les matchs. Bah, tu pourrais, sauf, ouais, que t'aurais beaucoup d'effets surprise. Ouais, d'accord. Tandis que là, t'arrives, tu sais qui fait quoi, tu sais, ouais, que c'est leur style de jeu, ça peut être les contre-attaques ou le jeu posé, etc. D'accord. Ouais. Là, t'arrives, t'es prêt. Je vois. Il n'y a pas d'excuses. Ouais, je comprends. Et du coup, là, on se dirige vers le gymnase des Maradas. Ouais. Vous avez un entraînement, c'est ça? Ouais, un petit shooting de révision. Ouais. On révise le poignet un peu. D'accord. On révise un peu leur système. Ouais. Ce qu'on n'a pas vu. Et nos systèmes. Et toi? Voilà, merci. D'accord. Donc on va te suivre un petit peu. On m'a suivi pendant la session. Tu as un petit rouleau, ouais, en mousse. Ouais. Tu peux nous dire à quoi ça sert? Ça là. Ouais. Ça là, c'est ce qui maintient ma carrière en vie. En fait. Entre ça et les étirements, ouais, il n'y a pas photo. Ça aide à enlever tout ce qui est courbature, contracture, ouais, assouplir un peu les zones. Les zones un peu tendues, on va dire. Ouais. Et voilà. Et tu l'utilises tout le temps, tous les jours? Tout le temps. Tout le temps, à chaque entraînement. J'en ai deux. J'ai celui-là, ouais, qui rentre un peu plus en profondeur. J'en ai un autre un peu plus plat. D'accord. Qui est dur, vraiment dur. Ouais. Qui fait vraiment mal. D'accord. Ouais. Donc, ouais, je vois que tu prends vraiment soin de ton corps. C'est le premier outil de travail, ouais, hein, c'est le corps. D'accord. Si je ne prends pas soin de mon corps, personne ne le fera pour moi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Voilà. Du coup, je pense que niveau alimentaire également, tu dois faire super attention à ce que tu manges. À... Bah, je suis arrivé à un âge où j'ai pas le choix, ouais, il faut que je fasse attention à un minimum. Ouais. Et avec tout ce qui est la récup, bien dormir, voilà. C'est sympa. Ok, bah écoute, on va te laisser changer et on se remet sur le terrain du coup. A tout à l'heure. Timing. Maintenant, three. Look both sides. Yeah. Attaque. Attaque. Yeah. Robert, speak. Voilà, nice. Voilà, bien. Bravo. Voilà, bon, Modibo, qu'est-ce que vous faites là? Fin de séance, ça shoot. Ça shoot pas là, ça balance. Ça balance, c'est un concours, c'est ça? Ouais, c'est en fait une boisson pour toute l'équipe au prochain entraînement. Une boisson chacun. Ah, c'est pour ça que vous. Une canette ou un Gatorade ou
pas. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un vrai challenge, quoi. Un petit challenge, histoire de relâcher un peu la pression. On va même que le coach participe, en plus. Il participe, il a déjà payé, même. Il nous a tous ramené du Powerade, c'était magnifique. Ça t'est arrivé de faire? Non, pas encore. Non, j'espère que jamais. Ça marche, bon, on va voir. Le pire, c'est le coach, le pire, il a aucun grand joueur, mais aucun touché. Il a déjà perdu plusieurs fois? On dirait qu'il m'a perdu une deuxième fois. Ah zut. C'est le troisième, là. Bon, on lui souhaite bon courage, alors. Ah ouais. Bon, on va regarder qui c'est qui va perdre, alors. Exactement. Et il s'est oh là qui vous a montré. You need to change the room. Je me dis oh, oh, on dirait qu'il allait marquer. Poivron là, il était censé être. Franchement, c'est pour certaines personnes, c'est dur de manger des légumes. Il y en a, ils n'y arrivent pas. Et souvent même, on me pose la question, comment tu fais? Je leur explique que quand vous arriverez à mon âge, vous comprendrez. Suite à 2-3 opérations, parce que la première était pas très bonne, bah que je me retrouve en National 2.